ce pays, pourtant, est plein de contradictions. On est 7 millions de Suisses, hein, sur un territoire de 42 000 km², dont le tiers seulement est habitable, très très pauvre, il n'y a aucune matière première, aucune, en Suisse. Or, on est le premier pays le plus riche de la Terre, revenu par tête habitant. Si on prend le nombre des habitants et le produit national brut, revenu par tête d'habitant, sur la liste de la Banque mondiale, la Suisse est le pays le plus riche de la Terre. Haïti vient en 185e position. En 185e position, c'est Haïti. Première position, pays le plus riche de la Terre, c'est la Suisse. D'où vient cette richesse? Alors qu'il n'y a aucune richesse interne, aucune matière première, ni pétrole, ni or, ni rien. Eh bien, notre matière première, c'est l'argent d'autrui. Et en général, l'argent d'où qu'il vienne est surtout des pays les plus pauvres. L'argent de fuite du tiers-monde. Aussi, bien sûr, les profits du crime organisé et l'évasion fiscale de France et ailleurs, l'argent gris. Mais surtout, l'argent de fuite des potentats et des élites, élites entre guillemets, dirigeantes des pays du tiers-monde. Jean-Claude Duvalier, qui a martyrisé Haïti, a des dizaines de millions de francs et de dollars en Suisse, sur les comptes numérotés helvétiques, puisqu'il y a une loi suprême du pays qui est le secret bancaire, qui est absolu, presque absolu, et qui protège d'une muraille de béton les butins, les fortunes, le patrimoine des Mobutu, des Somoza, des Duvalier, etc., etc., amenés en Suisse.